Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule cocktail de la semaine. Cette semaine, je vous présente une recette qui est tellement simple que vous aurez envie de la préparer encore et encore. Et j'ai nommé la perle du gin. Pour faire cette recette-là, on va avoir besoin de gin, de vermouth doux et d'amère angostura. C'est un cocktail qu'on va faire au shaker dans un verre de petit volume. Allons-y avec la recette. Je débute en ajoutant une once et deux tiers de gin. Je profite encore de mes échantillons du coffret Découverte 2023 des Spiritueux du Québec. Ici, j'ai un London Dry Gin de la distillerie du Quai. On poursuit en ajoutant 3 onces de vermouth doux. Et on termine le tout avec un seul trait d'amère angostura. Envoie tout ça au shaker et on va brasser jusqu'à ce que ça soit bien froid. On ramène notre verre, on va verser le tout. Comme décoration, vous pouvez y aller avec un zeste d'orange. Ici, j'ai le plus long zeste d'orange que vous avez vu probablement. On va le laisser tremper un petit peu. Et voilà. Vous avez votre perle de gin. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Santé!